ça dans ces beaux cadres. J'aime bien ces cadres. Hein. Pourquoi ces beaux cadres? Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Pourquoi je parle d'une journée spéciale? C'est parce qu'à côté de moi, il y a un homme spécial qui va répondre à quelques questions concernant ce grand thème, le rôle de l'Église dans une nation. Ce grand homme, c'est qui? Il s'agit du pasteur Pierre Mukangila, qui est de l'Église Centre Chrétien Parole de Vie. Centre Chrétien Parole de Vie, dont il est responsable. C'est avec lui que nous allons parler de ces sujets, ces grands sujets, le rôle de l'Église dans une nation, parce qu'il y a trop de questions que nous nous posons concernant cela, et je crois qu'il est mieux placé pour répondre à toutes ces questions. Voilà, il est déjà là avec moi, pasteur Pierre. Bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de notre Dieu. Vous allez très bien. Alors, je vous ai présenté aujourd'hui que vous êtes pasteur responsable d'une église qui est encore. Comment l'évolution de l'église? L'Église marche bien par la grâce de notre Seigneur. Et nous avons une grande communauté. Nos églises se situent à Toronto, à Ottawa, à Gatineau, à Montréal et à Sherbrooke. Et la communauté continue à grandir et les choses se déroulent très bien. Les choses se déroulent très bien. Alors, vous avez, par exemple, une mission ou encore un programme quelconque, donc faites mention de la nation quelconque, d'une nation quelconque dans votre église. On a plusieurs programmes, on a plusieurs missions que nous faisons. Nous avons des ONG que nous dirigeons par l'entreprise de notre communauté et nous avons aussi des aides que nous faisons pour apprendre au peuple de Dieu à s'instruire. Quand le peuple est instruit, le peuple peut être un atout pour le développement du pays. S'ils n'ont pas l'instruction, ils n'auront pas à travailler ni à contribuer pour l'avancement du pays. Il y a un peu quelque chose qui me tique en pause, que nous parlons d'un sujet très important, le rôle de l'Église dans une nation. C'est un sujet qui intéresse avant tout le monde. Et moi particulièrement, je crois que j'ai quelques questions à vous poser concernant ce sujet. Alors, avant de commencer à parler de ce sujet, dites-nous un peu, pasteur Pierre, comment est-ce que vous avez eu l'appel ou encore, je ne sais pas, ce mandat de pouvoir servir le Seigneur? Est-ce que c'était par passion ou encore par vocation? Alors, tout a commencé au temps de ma conversion. Le jour de ma conversion, le monsieur m'a dit, je vois une population derrière toi. Dans ta vie, tu vas servir l'Éternel, tu vas commencer à propager sa bonne nouvelle. Tu iras partout, je te vois faire des voyages, je te vois établir des églises, je te vois que tu diriges une grande armée. Alors moi, pour moi, c'était bon. Je pensais que c'est du blabla que les gens ont tourné parce que je n'aimais pas les églises, je n'aimais pas les histoires des pasteurs. J'ai dit à ma femme, ce sont des histoires. C'est une prophétie, Jean? C'est pas une prophétie, mais moi, pour moi, à cette époque-là, je ne savais même pas c'est quoi une prophétie. J'avais trouvé ça bon, comme si c'est du blabla des pasteurs. Après, c'est quand j'ai eu ma conversion, j'ai commencé à sentir la passion de conduire le peuple de Dieu. Et c'est ainsi que cette pression-là venait chaque fois. Et quand mon pasteur m'a dit que Dieu t'a appelé, c'est là où j'ai eu la deuxième confirmation. La troisième confirmation, ça serait un pasteur qui venait de Côte d'Ivoire. C'est lui qui va me dire, tu es prêt pour prendre la charge de l'Église. J'ai dit, mais je ne sens pas que je peux prendre la charge. Il me dit, on t'a déjà formé pour cela. C'est comme ça qu'ils ont commencé à me donner la formation et à me former jusqu'à ce qu'on m'a ordonné pasteur. Ordonné pasteur. Donc si j'ai compris, c'était par appel. Oui. C'est un peu ça. Dieu vous a parlé. Alors, pasteur, vous êtes responsable d'une église quelconque. J'aimerais en sorte, avant déjà de parler du sujet, le rôle de l'église dans une nation. Qu'attendez-vous par les mots église? L'église dans une nation a un grand rôle. Mais d'abord, une église, ce n'est pas le bâtiment comme nous le pensons. Une église, c'est d'abord c'est le peuple qui constitue, qui vient prier dans un endroit. C'est l'ensemble des chrétiens. C'est ce que nous appelons une église. Mais les gens confondent toujours le bâtiment avec l'ensemble des chrétiens. C'est quand nous réunissons,
deux personnes quand ils se réunissent pour témoigner la gloire de l'Éternel, c'est déjà une église. L'église commence par deux personnes. Quand il y a seulement un ensemble de deux personnes, c'est une église qui est formée. Alors, l'église est dans cette nation. Elle joue quel rôle? Le rôle de l'église, c'est d'amener le peuple de Dieu d'abord à connaître Jésus. Une fois qu'ils connaissent Jésus, c'est de l'amener à être épanoui, pour qu'il puisse être épanoui sur cette terre et pour qu'il puisse se préparer pour l'enlèvement qui va venir. On prépare le peuple de Dieu pour l'enlèvement qui viendra et qu'il faut que le peuple de Dieu soit épanoui. Mais l'église dans la nation a aussi une place. Parce que l'église ne traite pas seulement ce qui est spirituel, il traite le social, il traite ce qui est éducation, il traite ce qui est politique aussi. Mais la Bible dit à César ce qui est à César. Mais comment est-ce que dans une église on peut mélanger en même temps la politique, alors que la politique elle-même c'est un terrain glissant, on mélange tout à la fois. Vous ne voyez pas que là c'est contradictoire à la Bible? Ce n'est pas contradictoire à la Bible. Quand nous voyons des grands hommes de Dieu qui sont dans la Bible, n'est-ce pas que quand nous voyons la mission des apôtres, même dans les actes des apôtres, n'est-ce pas qu'ils ont rencontré Hérode, n'est-ce pas qu'ils ont fait bouger les nations? Parce que l'église, quand ils ont commencé à établir les églises avaient une forte rassemblement qui amenait les peuples de Dieu à connaître Jésus et à changer le mode de vie de toute personne, de tout citoyen du pays. L'église a un rôle de changer la manière de vivre d'un citoyen, d'amener ce qui est éducation dans la vie d'un citoyen. Nous voyons maintenant les injures, les choses qui n'étaient pas dans notre pays, ici le Congo. Maintenant, nous les voyons. Pourquoi? Parce que l'église n'a pas travaillé comme il faut. Il faut que ces choses-là puissent quitter la population. Mais qui peut faire quitter la population les injures? C'est l'église. Si l'église ne joue pas son rôle, où est la place de l'église à ce moment-là? Vous avez évoqué deux rôles que moi je retiens, mais est-ce que parmi le rôle que vous avez évoqué, êtes-vous sûr que l'église actuellement, ne parlons pas de l'église d'hier, parlons de l'église d'aujourd'hui, l'église du 21e siècle, est-ce que l'église respecte son rôle? L'église doit retrouver son rôle dans la société. Quand nous regardons dans le passé et dans les temps actuels, c'est comme si nous sommes en perte de vitesse. Nous voulons l'évolution, mais nous voulons détruire même la doctrine que nous avons à l'église. Nous devons conserver la doctrine qu'on a à l'église pour que la population soit éduquée. Aujourd'hui, la population n'est pas éduquée. Aujourd'hui, la population est en perte de vitesse parce qu'on lui apprend beaucoup de choses avec les réseaux sociaux. Cette allusion, quand vous parlez de perte de vitesse, cette allusion à quoi? Quand je parle de la perte de vitesse, c'est quoi? C'est nous voyons ce qui vient de l'extérieur et nous, les gens reçoivent maintenant tout ce qui vient de l'extérieur. Alors, avec la culture que nous avons, si on ne sait pas faire le choix de ce qui est bien, on risque de se perdre. Parce qu'on reçoit tout. Aujourd'hui, on a imposé à tout le monde. L'Occident veut imposer à tous les pays, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie, que ce soit en Amérique du Sud, là où il y a la pauvreté, ils veulent leur imposer leurs idéologies, comme l'homosexualité, pour que tu sois partenaire avec eux, vous devez accepter l'homosexualité. Est-ce qu'on doit l'accepter? N'est-ce pas que la Bible les condamne? Pourquoi vous voulez imposer les gens? On dit que c'est dans l'évolution de la modernité. Bon, le monde évolue, c'est on ne peut que s'adapter. C'est ça que j'appelle perte de vitesse. Parce qu'on nous impose une culture qui n'est pas à nous. On veut nous l'imposer. Alors si nous ne savons pas nos valeurs à nous, nous allons l'apprendre. Mais est-ce que l'évolution est une mauvaise chose? L'évolution n'est pas une mauvaise chose. Je dis la mondialisation aussi n'est pas mauvaise. Mais la mondialisation se fera comment? Est-ce qu'il y a tout ce qui vient de l'extérieur? Nous devons l'accepter. N'est-ce pas? Nous avons aussi des choix. Nous avons aussi des choses à considérer et des choses à ne pas considérer. Est-ce qu'on doit accepter qu'on nous impose certaines choses? Bon, il y a une idée qui me traverse en tête. Je ne sais pas si ce serait quand même bon de le dire, mais je vais quand même le dire parce que ça me traverse en tête. Pasteur Pierre, êtes-vous sûr que vous, les hommes de Dieu, vous êtes parmi ceux-là aujourd'hui qui contribuent à la base de la souffrance de la population en général, plus de la population congolaise? Je ne pense pas.
je ne pense pas que l'Église est à la base. L'Église joue un grand rôle dans ce pays. J'aimerais que vous me posiez la question pourquoi. Pourquoi je pose cette question? Non, je ne sais pas pourquoi tu as posé la question. Je voudrais sans dire qu'entre vous, les hommes de l'Église, je ne parle pas de vous, hein, mais je parle des hommes de l'Église en général. Pose ta question, oui. Hein? Vous attendez, puis il y a deux choses là, qui se passent entre vous là. Hein, en tout cas, certaines personnes se disent, bon, c'est mieux quand même de rester à la maison au lieu d'aller à l'église prier. Vous attendez pas entre vous. Il y a d'autres trucs là entre vous. Vous êtes sans ignorer que tout cela se passe. Alors ça décourage aussi quelques-uns. Et aussi, pourquoi aussi pas le politicien en ont marre de vous et aussi peur à deux fois de s'approcher de vous, homme de Dieu, pour peut-être résoudre un tel problème et entrer à la nation. Oui, je vais te répondre en deux volets sur ça. Il y a une chose qu'on doit comprendre, l'Église joue un grand rôle dans ce pays. Ce n'est que telle Église, je ne sais pas où sera la population congolaise, mais nous sommes dans une période où nous devons dire que l'économie ne marche pas bien, que ce soit à l'Occident, que ce soit ici en Afrique. Mais cette crise a fait de sorte que les pasteurs, au lieu de se tenir sur la parole de Dieu, eux aussi ils veulent s'enrichir aussi, parce qu'ils en ont besoin. Voilà. Oui. On y est. Mais cela n'exclut pas que l'Église ne fait pas quelque chose, l'Église travaille. Mais ça dépend maintenant de quelle manière ils font ce travail. L'Église devait jouer un grand rôle. Le rôle de l'Église, c'était d'instruire la population, de leur apprendre c'est quoi une élection, de leur apprendre pourquoi nous votons, de leur apprendre qui on doit choisir. Parce que quand je regarde, quand j'analyse tout ce qui se passe dans les pays, on va voir que la population est dans l'ignorance. Ils ne savent pas qui choisir. Ils choisissent selon ce que le pasteur a dit. Il est de notre région, il est de notre tribu, il faut le choisir. Ou parce qu'il est frère à l'église, on doit le choisir. Non, on choisit quelqu'un selon mes besoins. Je ne peux pas choisir quelqu'un parce qu'il est de ma région, ou parce qu'il est de ma tribu, ou parce qu'il est de mon église. Je choisis quelqu'un selon mes besoins. Est-ce que moi, il rencontre mes besoins? Si moi, mes besoins, c'est un problème social que je vais avoir des maisons sociaux. Mais lui, si dans son programme, il ne va pas créer des maisons sociales, pourquoi je dois les voter? C'est ça le rôle que l'église devait jouer. Normalement, enseigner la population comment on peut faire ces choses, parce que le pays ne le fait pas. Si le pays ne le fait pas, mais l'Église doit jouer ses rôles. C'est ça l'intervention politique que j'ai dit que l'Église peut contribuer. Ok, c'est dans ce sens-là. Ok, voilà. Je ne sais pas si c'est un ange dédié ou bien c'est un ange de Satan qui me souffle à l'oreille. Bon, je crois que puisque je suis en train de dire c'est un ange de Dieu. Il me souffle plutôt à l'oreille de vous poser la question. Si vous avez déjà reçu un message ou encore, je ne sais pas, vision, genre révélation concernant la population ou concernant la RDC. Non, j'ai aucune révélation que j'ai reçue de la part du Seigneur concernant le Congo, non, aucune révélation. Mais moi, mon souci à moi, c'est ce que je suis en train de faire, c'est d'observer et de chercher comment faire sortir ce pays de cette crise. Comment? Par quel moyen? C'est ce que je suis en train de faire comme métier de maintenant. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment, où commencer pour que nous parvenions à avoir un plan, un projet que je peux soumettre un jour aux dirigeants de ce pays. Voici le plan que moi, de la manière dont je vis les choses, comment on peut sortir le pays de la crise. Parce qu'il ne faut pas seulement commencer à parler pour parler, mais il faut avoir un plan, il faut avoir un projet. C'est ça que j'observe. Je regarde, moi je travaille au ministère des Transports, je suis en train précisément de regarder comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour désengorger tous ces embouteillages qu'on a dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelle est la meilleure solution? Et deuxième chose, pourquoi quand ils construisent les routes et que les routes s'abîment si vite? Parce que j'ai constaté là où je suis, ça fait 10 ans que je viens chaque fois au Congo. Je trouve qu'ils avaient arrangé ici, mais ça s'est détruit. Première chose que j'ai trouvée, on ne tient pas contre des trains pour faire évacuer l'eau. J'ai en train de chercher la solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça. Tu vois qu'on a quand même le souci. Je vois que vous avez quand même le souci. Hein. Mais vous êtes parmi ceux-là qui font de va-et-vient entre Europe et RDC. Mais est-ce
que le même problème que la RDC ou le Congolais traverse, c'est aussi le même problème qu'on retrouve ailleurs en Europe, par exemple. Puisque nous parlons de la nation. Non, ce n'est pas le même problème. Chaque pays a ses problèmes. Chaque pays là, il y a aussi la crise. Actuellement, ça dépend. Au Canada, actuellement, nous avons une croissance. Mais en Europe, ils ont des difficultés économiques actuellement à cause. Depuis qu'ils ont fait la zone euro, ça ne marche pas. Mais quand même, l'économie avance. Mais la situation économique, c'est partout. Ce n'est pas seulement au Congo. Maintenant, au Congo, nous devons chercher nos solutions, nos propres solutions à nous. Si le Congo veut aujourd'hui se développer, je pense que nous n'avons pas besoin des Européens ni des Américains. Nous-mêmes ici, nous sommes capables de travailler et de chercher à développer ces pays. Les Chinois nous sont un exemple qui nous montre. Je sais encore quand j'étais au Congo, on se moquait des Chinois à l'époque. Ils étaient enfermés, ils étaient communistes. Ils se sont enfermés pour s'ouvrir un jour. Aujourd'hui, tout le monde veut commercer avec les Chinois. Est-ce que nous, il n'est pas temps aussi que nous puissions chercher le développement nous-mêmes? Les Européens, les Américains ne feront rien pour les Congolais. Ils viennent pour leurs intérêts. Ils ne viendront pas pour développer les Congolais. Le Congo sera développé que par un Congolais. Mais qui? Quel genre de Congolais? Parce que le Congo ici, c'est un système qui doit changer. C'est même pas le problème de personne. C'est à nous, maintenant, de travailler. Nous tous Congolais. Nous devons nous aider. Nous devons prendre... Ce que j'ai constaté, nous n'aimons pas notre pays. Il faut aimer ton pays. Quand tu aimes ton pays, tu ne peux pas faire du mal à ton pays. Parce que c'est ta terre. Est-ce que toi, tu as ta compagnie, tu peux voler dans ta compagnie? Parce que c'est à toi. C'est comme ça aussi, les Congo, si nous les considérons, c'est à nous. On va les développer. J'aimerais bien, restant toujours dans ce même chapitre, que vous puissiez regarder cette caméra et dresser un message à tout le Congolais qui rêve l'Europe, sous prétexte que c'est un paradis. Vous êtes là, vous sortez de là, faites-le savoir un peu, regardez un peu la caméra. Je tiens à dire à mes chers compatriotes congolais, à tous les bien-aimés, que l'Europe, l'Amérique, ce n'est pas un paradis. Les mêmes conditions que tu as ici, de travailler, c'est les mêmes conditions que tu trouveras aussi au Canada, en Amérique ou en Europe. Si tu ne réussis pas ici, ne pense pas que tu vas réussir au Canada ou en Europe. Tout dépend de la force mentale que tu as, comment tu travailles et comment tu es créatif. Ça demande la créativité dans la vie. Ne pensez pas que c'est facile parce qu'on est en Europe, c'est facile parce qu'on est en Amérique. Moi, je dirai jamais à quelqu'un, viens pour rester à profiter des $500 qu'on donne pour le bien-être social. Ça, ce n'est pas une vie. Moi, je veux quelqu'un qui est créatif, qui veut produire et qui veut avancer. Depuis que je suis au Canada, je n'ai jamais profité ni de bien-être social, ni du chômage. J'ai toujours été dans les marchés du travail. Si tu veux venir, est-ce que tu es capable de travailler? Si tu es déjà bien installé ici, moi, je te conseillerais, reste ici. Au lieu de venir perdre ton temps en Amérique et recommencer toi à zéro. Voilà, c'est un conseil signé le pasteur Pierre. Moi, je dis amen parce que moi, je le prends comme ça. Mais vous avez parlé de $500. Vous savez ici, $500 là, pour combien de fois le salaire de quelqu'un? Mais les gens sont payés un salaire une somme dérisoire. Les $500, ça vaut beaucoup, hein? Les $500 qu'on dit à tout le monde, que si tu vas au Canada, on va te donner $500. Mais $500, je dois payer un loyer. Tu dois chercher quelqu'un pour habiter avec, pour partager l'appartement avec, afin de servir à tes besoins. Si tu trouves un appartement, par exemple, de $600, pour partager avec des personnes, il te reste combien? $200. Qu'est-ce que tu vas faire avec $200? C'est pas évident. Je préfère travailler, je préfère créer quelque chose, au lieu de rester à la maison à ne rien faire. Je conseillerais quelqu'un,
s'il est paresseux, de rester au Congo. Si c'est un courageux, quelqu'un qui peut créer des choses et travailler, il peut venir. Le Canada est vaste, ce n'est pas à moi d'interdire à quelqu'un de venir au Canada. Nous cherchons d'ailleurs la main-d'œuvre. Actuellement, je devais embaucher, on m'avait dit d'embaucher 4 personnes, mais je n'en ai pas trouvé. Parce qu'on a une pénurie de main-d'œuvre au Canada actuellement. Voilà, nous avançons lentement vers. Nous avançons avec cette émission. Alors, pasteur Pierre Mukangila, dites-nous un peu, trouvez-vous bon pour un chrétien de s'intégrer dans le monde politique? Oui. Un chrétien peut faire la politique. Ce n'est pas interdit dans la Bible. Dans la Bible, nous voyons les gens qui suivaient les apôtres. Il y avait ceux qui étaient dans la politique, qui étaient tout autour d'eux. Ce n'est pas mauvais que nous puissions avoir des députés dans nos églises, des ministres dans nos églises. Un pasteur aussi, un homme de Dieu, pasteur, responsable, comme vous, responsable d'une église. Oui. C'est ça aussi la politique. Moi, en tout cas, en tant que pasteur, je ne peux pas faire la politique. C'est des conseillers. C'est des charges. Parce que ce sont des responsabilités. D'ailleurs, moi, je travaille au gouvernement. Mais je vois déjà le poids d'aller au travail et de retourner à l'église. Mais quand on a des responsabilités, on est ministre d'un pays, ce sont des responsabilités. On n'est pas ministre parce qu'on veut avoir le titre de ministre, mais tu as des responsabilités. Ta signature a un impact pour le pays. Alors si on t'a mis ministre, c'est pour rendre des comptes à la gestion du pays. Alors ça demande que je sois dégagé soit de l'église, dégagé soit de la politique. Je ne peux pas faire les deux au même moment. Bon, vous avez dit quelque chose bien au début là qui m'a beaucoup plus étiqué. Mais si on revenait un peu à la Bible, je crois que dans la Bible, la Bible dit seulement allez, faites toutes les nations vos disciples. C'est Jésus, c'est une évangile de Jésus. Les disciples baptisent le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais vous ne pensez pas que Jésus lui-même a déjà signifié le rôle de l'Église. C'était de faire de toutes les nations ses disciples. Oui. Alors, parlons un peu en termes de pourcentage. Vous, hommes de Dieu, vous, Église, êtes-vous déjà plutôt arrivé à faire de la nation les disciples de Jésus? Parlons un peu en termes de pourcentage. Si on peut parler en termes de pourcentage, vous donnez combien de pourcents de ceux-là qui sont déjà les disciples de Jésus? Je ne peux pas dire à combien de pourcents, c'est difficile à le dire. Mais seulement, l'évangile aujourd'hui est annoncé partout. Aujourd'hui, personne ne peut dire... Partout, même à Kanabayonga, là-bas. Partout. Kabeya Kamuanga. Partout. Aujourd'hui, tu as un cellulaire. Le cellulaire est partout aujourd'hui. Et dans le cellulaire, il y a le message de Dieu. C'est que Dieu entre dans toutes les maisons aujourd'hui. Personne ne dira qu'il n'a pas été en contact de l'évangile. L'évangile est annoncé. Alors, je suis sûr qu'on est dans les choses évoluent comme il faut. Et le diable aussi, l'ennemi ne nous laisse pas tranquille. Lui aussi, il combat aussi que l'évangile ne puisse pas atteindre les gens. Mais Dieu aussi fait des choses que par tous les moyens, que le peuple de Dieu puisse annoncer l'évangile. D'ailleurs, si je suis ici à Kinshasa actuellement, c'est pour annoncer l'évangile. Ok. Puisque nous parlons de l'évangile, alors j'aimerais bien regarder la caméra à nouveau. Cette fois-là, ça serait pour présenter les gens Jésus. Et aussi inviter ceux-là qui aspirent ou qui veulent bien devenir chrétiens, leur inviter à Jésus-Christ. Toi qui me suis en ce moment, je viens te présenter cet homme qu'on appelle Jésus. Il y a un jour, il y a quelqu'un qui était assis au bord du chemin. Il attendait le monde. Mais ce jour-là, on lui a parlé de cet homme qui est Jésus-Christ. Quand on lui a parlé de Jésus, c'était pour lui dire c'est lui qui est en train de passer. Il suffit qu'il te touche, il suffit qu'il te parle, ta vie va changer. Toi qui veux changer ta vie, est-ce qu'il n'est pas grand temps que tu puisses crier vers le Seigneur et que le Seigneur entre dans ta vie? S'il entre dans ta vie, lui ne déçoit pas. Il est fidèle et il est patient pour changer, pour amener la paix, pour amener la joie, pour amener la liberté
et pour amener la délivrance. Accepte-le comme ton Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Je te présente cet homme qu'on appelle Jésus. Il va te bénir et il va t'amener à la paix. Voilà, je retiens cette phrase, Jésus va te sauver. C'est avec cette phrase que nous allons aussi désannoncer avec cette émission. Mais avant déjà de désannoncer, Pasteur Pierre Bukangila, nous allons parler du rôle de l'Église dans une nation. Alors, quoi encore ajouter par rapport à ces sujets au rôle de l'Église dans la nation? L'Église dans la nation a un grand rôle. C'est d'amener tout celui qui est jeune, qui vient à l'Église, à aller à l'école. L'Église doit jouer ses rôles. L'Église a un grand rôle, c'est d'éduquer la masse, d'éduquer la population. Comment savoir vivre et leur éduquer à travailler. Les gens, des fois, quand nous enseignons pour aller travailler, ils pensent que nous parlons pour la dîme. Non! C'est pour le bien-être de la population. Et qu'est-ce qui peut aussi créer des emplois pour ses fidèles? L'Église aussi peut créer des emplois pour ses fidèles. Ça, c'est un point que j'ai toujours vraiment débattu avec des hommes de Dieu. Surtout en Afrique, c'est facile de créer des emplois pour les fidèles. Vous allez voir dans une église de pasteurs riches avec le fidèle pauvre. On a répondu hier à cette question. Si l'Église adhère dans la vision des pasteurs, ils ne seront pas contents. Si des fois l'Église ne veut pas adhérer dans la vision, il faut que tu sois baptisé dans la vision. Si tu es baptisé dans la vision, tu ne seras pas bon. Je ne vois pas comment le pasteur montait et l'Église restait. Jamais. J'ai prêché ça hier, quelqu'un a posé cette question. C'est très important, c'est par là que nous allons mettre fin à cette émission. Alors je tiens à vous rappeler qu'il s'appelle comme ça le pasteur Pierre Mukangila. Mukangila, que veut dire? Je ne sais pas. Vous savez pas? Non. Ah. Bon, j'aime bien ça, Mukangila. Ah, j'aime bien ça. Alors, merci quand même de répondre présent à nos invitations. Je crois que nous vous aurons encore dans de prochaines émissions. Merci beaucoup. Merci. J'aime bien garder le sourire sur le lèvre. Pourquoi je garde le sourire sur le lèvre? C'est parce que le pasteur Pierre a répondu à toutes les questions sûrement qui m'est traversé d'idées, qui m'est traversé de pensées comme ça. Il a répondu à toutes les questions et je vous remercie quand même de nous avoir suivis. Je vous remercie pour la confiance que vous me faites. J'ai toujours l'habitude de dire que ce n'est pas facile de capter un maximum de téléspectateurs pendant autant de minutes. Merci pour cette confiance et je